Salut à tous, et oui j'ai un masque, mais aujourd'hui vlog spécial, je suis avec des experts du métro et on va aller se balader un petit peu histoire de changer d'univers, parce que c'est important de sortir de sa zone de confort. Bon bah voilà, allez, petite exploration du métro. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis en mode Batman. Voilà. On peut rester juste là, je vais tout de suite un truc plus loin. Ça marche. Si la porte est ouverte, on peut se barrer après. Avec un mec qui s'y connaît bien évidemment. Donc, surtout pas ça. C'est comme pour les toits de Paris. Si je peux me permettre de faire ça, c'est aussi parce que je suis quelqu'un d'attentif et que j'écoute ce qu'on me dit. Les Anglais, qui sont en train de faire leur photo ici, ils ont vu le train trop tard, et le temps de se déplacer de là à là, le train les a vus. Ils s'arrêtaient en plein milieu de la voie, ils ont coupé le trafic, et là ils ont voilà la GP, tu vois. D'accord. C'est pour ça que ce endroit-là, faut faire vraiment, vraiment gaffe. Ça marche. Ouais, c'est tout. Eh ben merci du conseil. On va faire ça. Non, faut que tu te couches. On voit pas le point de fuite, tu vois ce que je veux dire? Le fond du... Je cache le... Ouais. Mmh. Bah, pour te mettre là. Attends, ce que j'ai zoomé. Et alors, c'est compliqué de prendre des photos ici avec la luminosité? Non. Non, là, je suis à 3,2 secondes, ils sont 400. C'est quoi la plupart des réglages que vous faites d'habitude? Moi, je mets toujours souvent 4 secondes à fuite, ISO 400. Après, ça dépend vachement des endroits dans le métro. Ça dépend vraiment de la luminosité et tout, quoi. D'accord. Moi, je suis plus ISO 100, tu vois. Après, je suis au niveau de l'ouverture, tout ça, je joue avec. Et c'est quoi vos caméras? Moi, c'est Sony ACDR3, comme je t'ai dit. Ouais. Et David, je sais plus, c'est quoi ce Canon 60D. Canon 60D, putain, j'en ai un aussi. La team Canon. Exact. Fuck Sony. J'ai les deux, alors comme ça, je suis tranquille. Combien de temps que tu fais du métro? Du métro, ouais. Un an, non, presque. Ça fait un an? Ouais, quasiment. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé, en fait? Bon, en fait, j'en ai déjà fait avec un mec. Et en fait, j'en ai pas fait depuis une éternité. Et du coup, je voulais m'y remettre, en fait. D'accord. Et j'ai recommencé avec elle, et puis on en a fait pendant 6 mois. Puis après, on s'est embrouillé, et puis voilà. D'accord. Ah ouais. Tu fais avec ton grand trépied, là? Voilà, je cherche un peu. C'est un petit secret en plus, la magie que je fais en fait. Il arrive de où celui-là? Il arrive de là-bas. Et dès que tu vois, t'entends du bruit, tu vois de la lumière, tu te dis où? Ça vient d'où? Je vais aller me faire la tête.
Ah, c'est stylé. Ah, elle est cool, hein. Le gardien du métro, c'est toi. Vous avez un nouveau Batman dans les rues de Paris, là, dans les métros de Paris. Passion, hein. Non. J'espère qu'il n'y a pas les agents. C'est vrai ? L'appel d'offres, construction. D'accord. Puis CC, ça veut dire camion de conducteur. D'accord. Parce qu'en fait, ceux-là, t'en as aussi sur la 14, mais sans le camion de conducteur. Ceux qui sont automatiques, qui roulent sans pilote. Ouais, exact, ouais, la 14. Ouais. Moi, je suis allé sur la 14 avec David et je les emmenais. C'est chaud pas tapis. Ah ouais. C'est chaud pas tapis. Qu'est-ce que t'es. Qu'est-ce que t'es compliqué. C'est le seul truc, c'est le truc qui t'a fait le plus flipper, sérieux. Hein. Le mec en a couru, il a quand même pris une vidéo. Mais c'est un truc de fou. Le train, il pouvait prendre la. Ouais, c'est clair. Vous pensez quoi du côté train surfing? Train surfing, ouais. C'est complètement à l'opposé de ce que vous faites. On est d'accord. Je trouve ça. Parce que moi, c'est pareil. Train surfing, c'est n'importe quoi. Tu sais que nous, on nous a demandé de faire des interviews pour parler de ça quand même. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, tu vois. Et vous, c'est pareil. Moi, je vais faire le boss, quoi. Mais grave. Saint-Michel. Je vérifie derrière les murs, ils sont toujours derrière les murs. Là. Hop. Le petit contrôleur. Oh, ça va, ils nous suivent pas du tout. Oui. Je crois qu'on est bon, hein. Ils essayent de les faire revenir. Prends la sortie porte 1, ça devrait le faire. Attention, ça se ferme, je crois. Non, ça va. Ah, contrôleur SQV, félicitations. Bon courage pour la suite. Bon bah voilà. Petite exploration finie. C'était court, mais c'était bien sympathique en tout cas. Et je vous prépare un autre vlog dans ce genre-là très bientôt. Salut à tous! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Peace!